Partageons la passion du cinéma avec Orange, passeur d'émotions. Orange. Bah dis donc, ça fait plaisir de te voir là. Je suis venu te parler. Me parler ? Oui, de mon rêve. De ton rêve ? Tu comprends pas ? Tu sais très bien ce que je veux faire. Je comprends pas. Je dois comprendre quoi ? T'es tout le temps dans ta chambre. T'as arrêté l'école et tu vas même pas te chercher du boulot. Je fais du boulot, maman. Je fais des concours. Je fais des scénarios. Je les balance tous les jours à des concours. Mais Théo, c'est juste qu'à continuer comme ça, tu finiras comme ton père. Je ne finirai jamais comme papa. Je vais vivre de mon rêve. C'est tout. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Mais en attendant, j'aimerais bien que tu bouges un peu plus tes fesses et que tu ailles te chercher un boulot en attendant. Je veux travailler dans le cinéma, maman. Le cinéma. Le cinéma. C'est un monde beaucoup trop grand pour nous, ça. Tu comprendras jamais. T'es chiante, en fait, à la maman. Il n'y a pas que ça, mais parce qu'il y a aussi sa séparation avec mon père, les problèmes financiers, le fait que j'arrête le lycée aussi, c'est compliqué en fait avec ma mère. C'est pour ça que je pense qu'elle a explosé, je pense. Bah, si tu veux, pour te changer les idées, je peux t'emmener voir un film. Ce serait génial. Ok. T'inquiète pas, le film, il va être bien. Ouais, j'espère. Oui, t'inquiète. Ouais. Le film est déjà fini. Mais... pourquoi il y a personne ? Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Bienvenue dans le cinéma des rêves. Le quoi ? Bon, je reprends. Moi, c'est Charles. Je suis gardien de cet endroit. Ici, je vais te projeter ton plus grand rêve. Mais attention, il faudra travailler dur pour l'avoir. On en reparlera après la séance. Je voudrais vous remercier de m'avoir aidé pour réaliser mon rêve, mon objectif qui était là, qui devait être là face à vous, avoir ce magnifique trophée entre les mains. Et coupez ! C'est bon, c'est très bien tout le monde. C'est une fin de tournage, on a fini. Et je voudrais remercier ma maman, mes amis et surtout mon meilleur ami Fabien qui m'a beaucoup soutenu, aidé et un petit personnage qui m'a fait comprendre qu'il fallait travailler très dur pour réussir. Et sans lui, bah, je ne serais pas là face à vous. Merci. Alors, elle n'est pas géniale ta vie ? Elle est incroyable. Waouh. Mais c'est pas possible. Tu me fais une blague. C'est... Non, non. Écoute Théo, tu as du potentiel. Et tu le verras bien assez tôt. Hey, Théo, Théo, réveille-toi. Théo, le film il est fini là. Déjà ? Ouais, putain mec, t'as l'air éclaté. Bon allez, viens, vas-y. Je suis fatigué. Bah, je sais, mais bon, allez. Cherche quoi ? Mon téléphone il est là. Alors, on a très peu de temps, on va en retard, on va faire les courses et après, je sais pas, on avisera parce qu'on est déjà pas mal en retard. Maman ? Oui. Maman ? Maman ? Oui. Tu me croiras pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais acceptée dans un concours. Quel concours ? Le festival qu'on derrière ! J'étais acceptée dedans ! C'est génial, mais c'est quoi ce festival ? Je pourrais faire des films, maman ! Mais putain!